On a fait le match qu'il fallait ce soir pour venir prendre 3 points. J'avais demandé à mon groupe de venir valider surtout le match de Lens, qu'on ne soit pas qu'une équipe de coups, mais une équipe qui, sur le long de la saison, puisse être régulière. Et je crois que venir gagner ici ce soir, c'est très important pour tout le monde, notamment avec l'envie qu'ont donné les joueurs, avec l'abnégation qu'ont donné les joueurs et les valeurs qui sont les nôtres aujourd'hui. C'est fait un petit peu peur parce qu'on ne tue pas le match, notamment en début de deuxième, on a des occasions pour marquer, on ne marque pas, après on subit un petit peu, après on revient bien dans les contres, on arrive à se créer des occasions, mais on ne marque pas non plus. Donc c'est sur ça quand même qu'il va falloir travailler, puisque mener par 2 buts d'écart ou 3 buts d'écart, ça serait quand même plus intéressant que de finir le match à chaque fois 1-0 et attendre la 95e minute pour se libérer. C'est ce que je leur ai dit à la mi-temps, c'est de ne pas avoir peur de jouer. Le jeu amène erreur, mais si on demande de jouer à contre-courant par rapport à ce qu'on est capable de faire, ça ne sert à rien. On a des joueurs pour toucher le ballon, on a des joueurs pour se projeter, on a des joueurs qui vont vite et aujourd'hui, il faut s'en servir. On en avait parlé avec Damien et le staff, avoir 10 points après 6 journées, c'est quand même un très beau parcours. On va se caler dans la première partie de tableau et on a 15 jours maintenant pour pouvoir à la fois étoffer le groupe pour l'affiner, pour travailler et ça va nous permettre de pouvoir après reprendre par un match contre Caen qui va être compliqué à domicile.